OK. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Nabila Fakira. Je suis coaching, mental health coach. Et aujourd'hui, je vais vous poser un topic qui est assez intéressant. C'est est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux? Est-ce qu'il y a la happiness? Est-ce qu'il peut ressentir la joie? Très souvent, nous prenons ce concept, la joie, là, comme quelque chose de vraiment banal. Nous disons, mais happiness, nous connaissons qui était ça. Mais nous pas vraiment, nous pas. Souvent, nous ne pas réaliser qu'il est difficile pour nous atteindre un bon niveau de happiness. Très souvent, nous trouvons enchaînés dans une pensée négative, nous trouvons enchaînés dans une difficulté et nous demandons nous-mêmes qu'est-ce qu'il nous capable de faire pour qu'il nous regagne la joie de vivre, la joie en général. Happiness est une quelque chose qui est bien subjective. Du genre, la quelque chose qui donne moi happiness n'est pas nécessairement de nous happiness. Ça veut dire, pour moi, peut-être manger un chocolat, il fait moi heureux, mais pour vous, non. Il ne veut pas dire qu'à cause, nous avons une définition qui fixe pour happiness, nous avons quelque chose qui fixe, ça veut dire qu'il n'est pas existé. D'accord? Dans le monde que nous pouvons vivre, quand nous avons COVID, nous avons tellement de problèmes sociaux, nous avons tellement de problèmes financiers, beaucoup de problèmes, il est bien facile pour qu'il nous trouve un monde qui est malheureux. Au fait, il est plus facile pour nous trouver un démon qui est malheureux comparé qu'il nous trouve un démon qui est heureux. Pour qu'il nous capable, qui vient vous perdre ça aujourd'hui, plus important parce qu'il moi un mental health coach. Si nous pas réussi à trouver happiness, si nous pas réussi à trouver une quelque chose qui rend nous heureux, si nous pas réussi à mettre nous dans cet état-là, nous capable prédispose nous-mêmes à développer une maladie mentale telle que la dépression, l'anxiety, le stress, tout ça. Alors, pour qu'il nous capable cause comment nous développe le happiness, il est très important pour nous connaître qui est ce qui empêche nous d'être heureux. D'accord? Et là, je vous mentionne une barrière principale qui empêche nous d'être heureux et comment nous surmonter ça. Première qui ce qui m'a envie de partager avec vous, c'est sa différence qui est là dans l'époque longtemps avec Astella. Ça veut dire, sa différence qui n'a ça longtemps tient le génération maintenant même le génération comment ça maintenant peut cause un happiness dans la société, comment ça peut faire nous vivre malheureux. D'accord, let's say nous dire qui auparavant tu n'as beaucoup de problèmes, tu n'as beaucoup du monde pas tu gagnes de la nourriture qui bizarre, tu n'as extra beaucoup de problèmes, but still je peux trouver happiness, right? Mais aujourd'hui, malgré que nous avons un healthy food, nous avons un health system qui peut marcher, nous paraissons pas trouver happiness. Qu'est-ce qui peut faire sa différence là? C'est la façon qui nous peut processer l'information. Valeur du jour, in the modern world, on nous dit, nous avons un rush qui est constant. Avant, on est parti comme ça. Auparavant, nous assisé tout le monde. 50 du monde, c'est devant un écran de télévision, peut-être un film, se chaper ça, happiness. Mais aujourd'hui, il n'est pas comme ça. Aujourd'hui, tellement nous la facilité, nous n'est plus apprécié ça, mais ça fait là. Nous avons un rush, nous avons un constant rush, nous pouvons galoper, nous pouvons galoper derrière the unseen, nous pouvons galoper derrière quelque chose qui nous pas trouver. Nous avons un but qui vraiment à long terme. Moi, on vit ça, moi, on vit ça, moi, on vit ça, le tout là, moi, on vit ça, degré là, moi, on vit ça. Mais nous pas arriver à apprécier ça qui nous peut passer aujourd'hui. Right? Et il est très important pour la source de happiness, c'est qu'il nous arriver à apprécier ma petit achievement qui nous peut passer, ma petit quelque chose qui nous peut passer. You know? Nous dire que ma petite affaire, il y en a beaucoup valeur. Fait comment dire mon long terme, c'est qu'ils m'ont reçu une, je sais pas, m'ont reçu un grand du monde, ou ça m'ont reçu un grand la case, right? Un petit happiness, ça c'est mon long terme but, c'est qu'ils m'ont vu la case. Ben short term goal, c'est qu'ils ont dit mon trouve happiness parce qu'ils m'ont reçu dépose mon plan, m'ont reçu acheter une mort pour mon la case. Si nous reçu trouve happiness dans un petit quelque chose, l'ira nous plus heureux. Comparer, c'est que si nous journey nous prend comme quelque chose de vraiment, aïe, la peine est heureuse, la peine après la happiness du tout là.
comme pour happy, comme on reste pour la casa. C'est ça le danger. Right? Being in a constant rush, c'est le danger. Deuxième petite chose qui m'ont envie point out aujourd'hui, c'est que beaucoup parmi nous, les teenagers, bien sûr, même si vous venez plein de teenagers, mais les jeunes en général, même pas un dimou qui n'est pas trop jeune, nous avons la tendance à comparer nous avec les autres dimous. Il n'y a pas des affaires qu'ils ont dit, il y a des affaires qui ont été payées depuis avant. Ayo, get ça, anti-là, sous enfant, il fait ça, qui fait maman, vous en papa fait. Ayo, mon camarade, il tient tel le dos, moi ici, moi, besoin de ça. Ayo, get ça, très ça, cela, pour comment je dis, moi ici, moi, besoin de ça. Qui arrive, nous peut comprendre. Nous pas dénigrer nous-mêmes en du genre, mais nous, comme si dirait, nous mettre nous-mêmes bien down. Parce que nous pas commencer à le faire, nous pas commencer à le tuer, nous pas de ça le situation. Et ça, il y a un impact vraiment négatif pour nous. Parce que très souvent, ce qui nous pas réalisé, c'est que nous journey est différent des autres. Moi, peut-être qu'il y en a du moins d'autres réalisés qui, ouais, pays, non, vivent comme Ali, non, vivent côté de l'éducation, non, vivent actifs, ça qui est inactif. Alors, je ne peux pas trouver que je ne suis capable de achever, mais au final, je peux aussi créer une famille, peut-être, je peux aussi une autre happiness d'une autre façon. C'est pour cela que nous disons everyone's journey is different. Tout le monde parcours est différent. Et là, le moment qui nous réalise ça, nous avons trouvé qu'au lieu qu'il me compare moi avec les autres, laisse-moi guetter dans mon avis. Quelque chose qui m'a réussi à achever, quelque chose qui peut rendre moi heureux. Et moi, pas nécessaire gagner ça que mon camarade a gagné pour qu'il soit heureux. Alors, unhealthy social comparison, compare-nous avec les autres, n'est pas quelque chose de bien. Nous causons un petit peu avec mon teenage. Bien souvent, mon teenage, pour être mon acteur, mon actrice, mon chanteur, mon influencer, nous avons l'impression que nous devons suivre eux. Ça qui nous pas arrivé comprendre, c'est que souvent, des fois, ça va être quelque chose qui va influencer, cela peut promote, ça va être quelque chose qui va être théâtre, ça peut être portrait, n'est pas tellement réel. Et nous peut mettre une expectation de quelque chose qui n'est pas réel, et ça lui crée beaucoup de tristesse, et on peut nous être heureux. Bon, pour continuer avec les autres choses qui peuvent agir comme une barrière, et d'après ma recherche dans la psychologie, il trouvait que relationship, les relations qui nous ont avec les autres, c'est un des facteurs très importants pour nos positive emotions, tels que le happiness. Valeur du jour, quand nous parlons de modern life, nous causons un petit peu. Nous avons Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, WhatsApp, beaucoup d'app en cours. Quand nous sommes capables d'avoir une communication très fluente avec les autres personnes. Mais il arrive un moment, nous causons beaucoup avec du monde. Est-ce qu'il nous cause meaningful conversation? Est-ce qu'il nous a une bonne relation qui in-depth, comment nous dire, une relation approfondie avec les autres? Pas vraiment. Nous avons dit, nous avons 1000 friends sur Facebook, mais combien de friends qui s'insèrent là-dedans? C'est pour cela que nous disons que si nous avons envie de trouver le happiness, nous pas nécessaire 1000 friends. Peut-être nous besoin un des du monde dans la vie. Ça, un des du monde là, nous connaît. Si nous avons un problème, nous sommes capables de rely on them. Si ça, un des du monde là, nous êtes là pour nous, dans nos happiness, dans nos sadness. Et ça, lui amène un plus grand level of la joie, quoi nous dire. Dernier point que j'ai envie de point out, c'est que très souvent, nous retrouvons dans une situation quand nous disons « Aïe, mais ça situation quand nous étions là, bizarre, mais pourquoi on verrait là-dedans ?» Ou ça nous dit « Mais tellement il y a un problème, il y a un problème financier, il y a la COVID, il y a la pandémie, il y a vraiment d'uncertainty, nous ne pouvons pas trop comprendre la situation, mais ça, nous pouvons malheureux même. » Ce qui nous faisait comprendre, c'est que ce n'est pas nous l'environnement qui influence le level of happiness. Ce n'est pas nous l'environnement qui fait nous être malheureux. C'est la façon qui nous guette cette situation-là qui rend nous malheureux. Un exemple, quand point du monde, peut-être le COVID, la pandémie, le lockdown, pas pour rendre malheureux. Parce que pour lui, il peut
li entouré avec la famille, pour lui, c'est un moment de relax. Li view, li guette le lockdown comme un moment pour qu'il y relaxe. Par contre, une autre personne, li guette sa lockdown là comme un affaire qui est vraiment mal, quand moi n'est plus capable, moi sens moi comme si tiré dans une cage, dans la case. Là, on trouve la différence de perception. Et sa différence de perception là, c'est ça même qui est capable lié à la tristesse et qui empêche nous d'être happy. Une demande qui se qui nous tient, une pensée qui est positive, lui peut être égal à quelqu'un qui est plus positif. Si nous avons envie d'être heureux, nous devons arriver à trouver le bon dans la situation. Nous devons être capables de maintenir une positive thoughts, une pensée positive dans la tête. Qui peut arriver même si nous avons une pandémie? Nous avons aussi des solutions. Qui peut arriver même si aujourd'hui nous avons un travail qui est stable? Nous avons la capacité de faire au maximum. Si nous avons un positive thinking, une pensée qui est positive, nous pouvons capable d'achever un plus grand niveau de happiness. Ça, c'est une barrière. Ça, c'est une petite chose qui empêche nous d'être heureux. Dans une deuxième partie de sa vidéo qui m'a fait aujourd'hui, là, m'a envie cause l'importance de passer du temps avec la famille, l'importance pour rire, l'importance pour inaban positive things. Qu'est-ce qui nous passe un moment positif, un moment de happiness avec nous alentours? Plus qu'il nous riait, plus nous riait, plus nous party, comment nous dire, plus qu'il nous est un petit fête, un petit gathering. Même si nous payons une petite vidéo qui peut faire nous rire, même si nous payons un film qui peut rendre nous heureux, il y a un impact positif long. Nous. Qui fait, parce qu'il y a une théorie dans la psychologie qui dit, plus qu'il nous est, le plus, the more positive emotions qu'il nous est, ça veut dire, plus beaucoup positive emotions égale un healthy life. Qui fait, parce que comme on est heureux, comme on a beaucoup positive emotions, awareness est plus augmenté. On est capable de découvrir plus beaucoup l'opportunité, on est capable d'avoir plus de pensées, on est capable d'avoir une idée créative. Qu'arrive quand nous tristes, nous mettons la cervelle dans la cage, dans une prison. Mais quand nous heureux, nous tiennent la cervelle dans sa prison, là, and we let it open. So, c'est ça ce qui nous dit, happiness n'est pas quelque chose qui nous trop qui nous pas capable, mais nous juste besoin pay attention qui nous pas fait enchaîne nous-mêmes dans sa bonne barrière. Là, ici, nous pétrons, nous tombons dans sa même catégorie, là, nous prenons une action pour qu'il nous capable de sortir là-dedans. Voilà un petit peu, merci beaucoup pour votre attention et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci. C'est maintenant, comment te dire moi, que tout le monde est dans le même espace, tout le monde pas arriver bouger, tout le monde pas arriver faire un mouvement. Au fait, tout le monde est dans le même espace parce que it is all in the mind. Vous connaissez beaucoup de monde pour dire moi, c'est bien facile de dire, il n'est pas aussi facile de faire, mais c'est pour ça qu'en tant que psychothérapeute, Kindla, pour dire qui tout trouve dans nous l'esprit, où l'est ou parler, c'est si on a envie, feel good. Feel happy et une envie chère happiness, c'est là-dedans qui vous trouve au bonheur. Vous pouvez comprendre, c'est dans la tête ça. Si vous pouvez moi connaître, ben oui, si moi tiens un grand la case, moi tu peux happy. Moi si vous tiens un grand la case, là, vous pouvez dire moi, ben tu la case, moi tu peux plus happy. Parce que human mind, il fonctionne comme ça. Vous pouvez comprendre, il fonctionne de façon très insatisfaite. The human body, the human mind, hein, ils nous font de la sorte pour qui, effectivement, nous insatisfait tout le temps et nous rôde tout le temps quitteuse. Quand nous guettons autour de nous, si nous prenons l'exemple, 20 ans, allez, nous prenons l'exemple, 30 ans de cela. 30 ans de cela, nous t'y fait comment, c'est la machine à laver, nous t'y fait comment, c'est tout ça, électroménager là. Nous, tu fais que dans sa classe, il commence dans le téléphone.
nous pas penser qu'il y a un jour nous pourrions aussi faire ce que nous pouvons faire, c'est là de 4G vidéo call pour moi comme modèle l'autre l'espace. Mais qui fait de n'arriver à faire ça? C'est parce que le human mind, il travaille de la sorte pour qu'il nous réussisse à reach the comfort zone. Ça veut dire nous plus c'est dans le confort. Longtemps, il y a des gens quand tu peux plairer, tu peux à l'étranger, 10 camions, tout tu peux qui te rappelle ça. Vous pensez, c'est des rappels de moi qui, tout ça, des gens qui quitter pour dire au revoir parce que pas connaît quand pour être oublié, pas connaît quand pour rejoindre retourne sur la voie, parce que tout ça fait tellement difficile, tellement cher. Mais maintenant, Dimoun, quand il est à l'aéroport, il dit bye-bye après des eaux, après, même pas des eaux, hein, c'est depuis après, depuis l'Afrique du Sud, après 3-4 heures, donc, par exemple, il rentre là-bas. Nous sommes capables de causer des bonnes nuits sur nouvelles. Donc, c'est pas une affaire qui, génération, c'est là, trouve normal. Quand, pour l'avenir, même pour moi, une partie, c'est normal. Là, nous trouvons sa évolution-là. Donc, qui fait, il est dans sa évolution-là, comment on dit, because it is all in the mind. Parce qu'il nous tient envie d'arriver à un point que nous facilite les choses. Nous, tout le temps, en quête de la facilité. Mais ce qui nous pas réalisé, c'est the journey to this facility qui procure nos satisfactions. Vous pouvez comprendre, si on tout le temps pour dwell à yo, que nous sommes dans le confinement, il est dans le wakasio, il est dans le premier confinement, tout ça fait cher, tout ça fait du monde paye coquin, du monde. Si tu focus on this, mais nous pouvons trouver ça même. Mais si je me dis non, moi quand même, moi dans l'île, je peux arriver à mettre l'insecte moulé, je n'ai pas besoin de trop couvert, je n'ai pas besoin de trop frais, oui, pour le moment, j'ai un petit peu chaud. Mais ce n'est pas grave, nous toujours un ventilateur, nous toujours un climatiseur, donne-nous la case. Vous pouvez comprendre? Et il y a des gens qui vraiment ont un défi au quotidien à relever. Mais nous n'avons pas besoin d'oublier qu'il pareil commence à human mind, il travaille, il fait nos gains, nos conforts. C'est dans difficulté qu'il nous peut prendre comme nous-mêmes. C'est dans difficulté qu'il nous peut arriver, trouve tout ce qui est bon. Nous pouvons arriver à trouver une petite chose qui nous peut ignorer. Nous pouvons arriver à prendre des affaires qui nous peut. Nous pouvons trouver l'importance à prendre. Parce que tout ça fait, c'est tellement facile. Par exemple, je prends l'exemple. C'est grâce à confinement qui m'a découvert une passion pour la cuisine. Vous pouvez comprendre, parce qu'il m'a dit, vous ne pouvez pas gagner le temps, je viens connaître, vous ne pouvez pas gagner le temps. Mais grâce à confinement, moi, la maison, je peux cuire, je peux find happiness in that. Mais si moi, j'ai chaud, je connais tous les jours, je peux bien cuire. Mais c'est une satisfaction, ça. Et tous les jours, je peux arriver cuire pour moi-même, pour nourrir mon écho, premièrement, et pour nourrir ma famille, parce qu'il m'a une mère de famille aussi, mon épouse, ma mère de famille. Donc, tout ça là nous faisait réaliser que quand nous pouvons trouver positivité dans difficulté, dans challenge, mais nous pouvons trouver cette positivité-là et nous pouvons travailler plus pour nous gagner encore plus positivité. Vous pouvez comprendre? Donc, comment vous dire, dis-moi qu'il y en a pour critiquer, il peut focus ton négativité-là. Malheureusement, nous pouvons faire des efforts pour faire des autres sorties, mais at the end of the day, comme on dit, at the end of the day, you make the decision. C'est eux qui prennent la décision pour dire, mais non, à partir de maintenant, je suis positif dans la vie. Mais comprends, si à la fin de la journée, je dis, mais mon co-vivant, c'est une grande affaire, et là, je peux prendre un last breath. Zorodi, moi, mon co-vivant, veut dire mon co-in a un purpose dans la vie. Veut dire mon co-in a quelque chose pour me faire. Veut dire mon co que j'ai la joie pour partager. Et c'est ça qui m'a besoin de faire. Vous pouvez comprendre? Oui, il y a des gens qui sont tout le temps dans le besoin. Nous aider pour sortir là-dedans. Nous pas tous les jours donner des gens pour sauver, mais nous prendre la paix. C'est ça qui nous but, Zorodi. Qui nous montrer un démon comment pour lui pour découvrir lui-même comment lui pour happy from within en dans lui pour happy quand nous prenons nous pour happy définitivement nous pour donner happiness tout démon vous pouvez comprendre un sourire lui besoin sincère un sourire lui besoin venir du cœur parce que si un sourire lui pas du cœur malheureusement lui pas pour sincère et nous pas arriver convaincre démon dans la joie parce que c'est dans ça la joie la inner happiness quand nous soul happy. Là, nous pouvons avoir une happiness.
Ou bien, on prend. Qui fait un besoin de focus sur tel du monde, pas fait faire telles affaires. Il pas fait faire telles affaires sans problème. Moi, mon guité qui m'a fait. Je te fais comprendre. Donc, il est bien, bien simple. Pas facile, mais simple. Comment on dit? Not easy, but simple, but not easy. Pareil, comment? Il n'a pas de dire, vous savez, mon envie est mon style. Bien, ça fait simple, ça. Vous y faire comme ça, vous trouvez aussi là. Mais est-ce qu'il est facile de nous focus là-dedans? Non, il y a un challenge à faire. Vous pouvez comprendre? Ces petits efforts-là qui nous faisaient comprendre certaines nuances qui existaient. La vie n'est pas juste blanc noir. Mais non. Thousand of colors. Si nous comptons tout bantin, shades, tones, etc., etc. Donc, qui fait? C'est parce que nous nous besoin de trouver. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous pour focus? Vous pouvez comprendre? Si nous faisons comme ça, nous trouvons Mirai, nous faisons comme ça, nous trouvons là, nous trouvons Zoli Piedman, nous faisons bien vert parce qu'il a fini de tomber. Donc, c'est moi qui choisis quand nous guettons. Vous pouvez comprendre? Donc, we cannot dwell upon negativity. Parce que si nous dwell upon that, nous pouvons faire nous-mêmes du tout. La même qui emotional blocks vini, la même qui nous trouve qui nous peut gagner vomi, nous peut gagner tchare, nous peut gagner tout qui se soit, because it is here. Vous pouvez comprendre? Un grand philosophe, il ne dit pas moi, un grand philosophe, il dit, clairement, oui, mais ça philosophe ça. Mais philosophe là aussi, c'est un humain, nous. N'existe qu'il y travaille plus vers la positivité. Plus vers passer un message positif au monde. Et c'est ça qui peut faire une différence. Peut-être pas pour du jour au lendemain. Nous pas besoin d'oublier. Good things take time. OK, un bébé n'est pas né tout de suite. Quand nous faisons un bébé là, nous conseillons un bébé là, il prend 9 mois. Dans 9 mois, là, madame l'a tombé. Perdu connaissance. Moi, peut-être que mon affaire personnelle qui n'arrive pas. Il vaut mieux. Pas peut-être que mon affaire est sorti tout de suite. Mais nous passons par l'accouchement. Qu'il est normal, qu'il est yes, c'est un, quand même, en guillemets, c'est une souffrance. Mais à the end of the day, c'est un bonheur extraordinaire de mettre en vie, de donner naissance. Vous pouvez comprendre? C'est ça qui nous besoin tout le temps comprendre. C'est at the end, we will win. And we will surely win. It won't be easy. It has never been for anyone. But it will be worth it. Merci beaucoup. Dear friends, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. We are pleased to share with you the greetings of love and peace from the Art of Living and our founder, His Holiness Sri Sri Ravi Shankar. He says that happiness is the birthright of every human being. Everyone on this planet is moving towards happiness. Everyone's pursuit is only happiness, either for themselves or for others. We all want to be happy, isn't it? Whatever we do it to find happiness. For example, we want good results in exams to be happy. We want a good job to be happy. We want an ideal soulmate to be happy. Even those who go against the law, it's only in the pursuit of happiness for themselves or others. We often connect happiness with events, situations, or people. However, happiness does not come from the external world. It comes from the inner core of our being. If we are happy with no conditions attached to it, then we will be able to share this happiness and spread this happiness to all those around us and to all those who come in contact with us. We cannot be happy in isolation. We cannot be happy if someone in our family is unhappy. The family cannot be happy if the neighbors are unhappy. The society cannot be happy. The town cannot be happy. The country cannot be happy if people inside them are unhappy. So how to bring happiness to people in the world when one has layers of stress on the being?
especially in these times of COVID-19 pandemic. In the art of living, we learn to silence the mind using breath work, yoga, mindfulness, meditation, and a powerful breathing technique called the Sudarshan Kriya, which is taught in our workshop. It is the breath that connects the outer world of activity to the inner world of silence. Our breath is closely linked to our emotions. For every emotions, there is a particular rhythm in the breath. Every emotion in the body, be it anger, sadness, joy, happiness, etc., has corresponding rhythm in the body. If we notice our breath, when we are angry, it is shallow and fast. When we are sad, it is long, deep, and the exhalation is longer than the inhalation. When we are happy, it is long, deep, and the inhalation is longer than the exhalation. Like smelling something really nice or delicious, or when you are at the beach relaxing. These emotions trigger different patterns of breathing in the breath, in the body. This is done automatically by the body without any intervention from us. Now here is the best part. We can use the breath to control the emotions too. So, when we cannot work directly with our emotions, with the help of the breath, we can do that. When we work on the breath, we can control our mind and experience inner peace and happiness. For example, when the mind is caught up in a negative thought, example, if somebody has criticized you or your work, your mind goes in a loop and keep thinking over it, keep thinking it over and over again, and it cannot come out of it. You are stuck with that negative thought. Do you know that by changing the pattern of our breath, we are able to come out of this loop of negative thoughts? So normally a human being, an adult, breathes about 12 to 18 breaths per minute. So if we place our attention on the breath and consciously we take deep, long inhalation and exhalations, bringing our breath to 4 to 5 breaths per minute, and we keep doing so for 10 to 15 minutes, then we can come out of the loop of negative thoughts. Now, medically speaking, almost everything that makes us happy is linked to one of the 4 happiness hormones. The first one, dopamine. Then we have serotonin, endorphin, and oxytocin. It has been shown scientifically that practices like stretching out, exercising, working out, doing yoga, breathing exercises, mindfulness, meditation, laughter, making friends, and staying in touch with loved ones help release these happy hormones that trigger happiness in us. So, recognizing the importance of happiness in one's life, in the year 2012, the United Nations proclaimed the 20th March each year to be celebrated as the International Day of Happiness. The UN resolution recognizes the relevance of happiness and well-being as universal goals and aspirations in lives of human beings. Furthermore, the World Happiness Report 2020 gives Mauritius a very honorable score of 6.1, and we take the lead, being the happiest country in Africa, and we rank
49th worldwide. A happy person has the ability to silence his mind and find that inner peace within. If you are struggling with to stay happy, to stay calm, focused, it can be very hard to break the cycle. If you feel trapped, frustrated, or overwhelmed in your life, you can't just wish it away. Deep down, you know it's time to make a change. Through a tried and tested combination of yoga, powerful breathing exercises, meditation, and practical wisdom, the Art of Living Happiness program will help you live life the way you have always wanted to. That is, calmly, confidently, and armed with the tools you need to deal with whatever life throws at you. To ease the daunting stress of living in these stressful times during the lockdown and amidst the fear of COVID-19, or now the vaccination program, and in yet another COVID initiative, the Art of Living has launched the online meditation and breath workshop, which you can join from the comfort of your home. The workshop would provide practical and powerful tools using the breath works and spiritual knowledge to deal with anxiety, stress, sleeplessness, trauma, and fear of the disease, particularly in these times when we have the COVID-19 pandemic. The workshop aims to restore the smile on your faces and help you experience deep inner peace, give you a calm and clear mind, happier emotions that will give you energy to serve better, stay healthy and mentally fit, and to be more positive in life. To know more about our workshops, get in touch with an Art of Living Happiness Center near you, or log on to our website, www.artofliving.org. So, as an end concluding remark, I would say that let us all be happy and spread this happiness to all. Thank you very much for your kind attention, ladies and gentlemen. Saphir est fier pour associer lui avec sa campagne pour promouvoir la joie, parcours de la joie dans le cœur des enfants. Et comme on le connaît, la joie, le bonheur, c'est un besoin universel. Tout le monde soif pour gagner le bonheur avec la joie dans la vie. Mais pour nous capables d'amener la joie dans le bonheur des enfants, surtout actuellement dans le contexte de confinement, que les enfants passent vraiment un moment très très difficile. Nous fait un appel à la générosité de tout bande mauricien. Pour nous capables d'apporter la joie, nous besoin d'une grande chaîne de solidarité. Donc on fait un appel avec bande mauricien pour qu'il pourrait même nous créer une grande chaîne de solidarité. Pour, avec cette solidarité, nous pour permettre nous capables de transmettre ce qui nous capables offrir aux enfants. Et ça permet un peu plus de réconfort, un peu plus de la joie dans toutes les cœurs. Merci à vous tous, merci à tous les mauriciens. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Noëlle Ramdine, cofondatrice de l'association Future Group. Future Group existait depuis 2013, ça fait 8 ans, et nous accompagnons 90 familles dans 4 différentes régions de l'île. Cité Rochebois, Sainte-Croix,
Cité La Cure et Petite Rivière. Nous avons 120 enfants avec qui nous travaillons tous les jours. Et en cette période difficile, en cette période de confinement, nous avons une famille qui a besoin de soutien pour un don alimentaire. Alors nous comptons eux. En collaboration avec un angel pour le campagne Happy Day, avec un artiste local, nous avons envie d'apporter un peu de positivité dans chaque famille. La joie, la bonne humeur et aussi faire ma famille sentir moins tout seul. Alors, le campagne Happy Day, c'est une campagne que nous envie amène bonheur. Nous envie amène la joie dans tout le monde. Parce que vraiment, en ce moment, à Maurice, nous passons par un moment difficile. Nous pouvons avoir un artiste local qui pour prête à sa là pour faire un concert live. Et avec qui? Un angel avec Future Code pour capable et passer, partager avec les bénéficiaires. Merci. Je suis Jacqueline Desenia de l'ONG Civic Action Team, République de l'île Maurice. Je participe à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 dans le programme de Happy Day. Happy Day, c'est apporter le sourire de tout un chacun dans le visage, dans les lèvres de nous, les Mauriciens, maintenant. Mais c'est pas aussi facile, c'est pas évident, parce que avec notre confinement que nous avons en ce moment. Surtout de penser aux personnes qui sont dans le besoin. De leur apporter aussi le sourire aux lèvres avec de la nourriture et des autres choses qu'elles ont besoin. Sourire aux lèvres avec le confinement, il nous faut le faire ensemble et avec aussi les personnes qui sont dans le besoin. Sourire à tout le monde et le Happy Day pour tout le monde à travers notre pays. Moi, Rachida Imrite Mambex, président ONG AFSA. Je me présente moi-même, mon ONG, qui nous fait. L'ONG travaille beaucoup avec les gens du monde vulnérable, par exemple les SOM, les parents qui sont dans la drogue, les parents qui sont en prison, les mères célibataires. Et puis nous avons fait campagne dans le collège, dans le salon coiffeur, dans l'école primaire, dans le Colari, dans la Croix, nous sensibilisons notre humanité. C'est facile avec la collaboration N Angel. Nous campagne, c'est Happy Day. Happy Day, c'est quoi? C'est la joie. Nous commençons la joie dans la famille. Mon propre, moi-même, moi, la famille. À l'époque, mon papa, c'est dans 6 enfants. Tantôt, quand on finit de manger, mon papa, mon maman, et nous 6 sœurs frères, nous assisons. Papa, c'est nous raconter qu'ils ont fait une journée. Chacun son tour raconter pendant 5 minutes. Nous causer, nous riez. C'est la joie. Je fais un appel avec la new generation, surtout les parents, les jeunes. Nous gardons cette coutume-là. Nous avons deux enfants tablettes pour santé, pour deux petits-enfants, 2 ans, 3 ans tablettes. Nous avons besoin d'assiser, si nous avons nuit à vos pères, grand-mères, nani, nana, nous tous assiser ensemble. Nous mettons un petit dialogue, nous causer, nous rier. C'est un grand argent dans la famille. Espérer qu'ils aient écouté votre conseil. Merci.
one of the reasons why we are happy in life, c'est quand nous achieve. Quand nous achieve, quand nous satisfait avec ce qu'il peut faire dans la vie. Quand nous avons achievement est capable dans le niveau personnel, le niveau professionnel, dans l'étude, dans notre carrière et tout. Mais à la fois, du monde pas réaliser que to be able to achieve something, there is days, hours, days, weeks, months and years of hard work. Donc, vraiment, si vous avez achieve, par exemple, vous avez envie perdre du poids, mais vous pas perdre du poids just like that. And then, Jimon have this issue with their body, par exemple. And I find Jimon in spay obèse, and I find Jimon in spay mince. Vous avez envie soit gagner du poids, soit perdre du poids, parce que pas besoin d'ignorer le fait que body shaming is one of the things that happen en général. Mais to be able to achieve a goal, whatever it is, there is some hard work, sometimes very hard work, that is required. Moi, mon fan de foot, et un footballeur qui s'appelle Cristiano Ronaldo, et je me disais, je pense que this guy is an inspiration. Moi, j'ai fait une vidéo récemment, et quelqu'un posait la question, mais comment le tout peut partir, non? Il dit, je ne vois pas où il tient le tout, et joue, et si je joue. Et après ça, ça, Jimon qui peut faire l'interview là, poser une deuxième question, dit, toi, comment le tout est là? Il n'est pas connu. Mais pas venu comme ça, ça. There is years of hard work and sweat and blood qui finit, pour ça, Jimon là capable d'achieve what they have achieved. When they have achieved something, then they are happy. Le problème, c'est que if they are happy, they can stop the hard work. And if they are not happy, they continue the hard work. So, là, c'est, je connais comment interpréter ça bout là, parce que I'm sure when they are achieving, they are happy, but they want to achieve more. To be more happy, to reach the goal they have set in their lives. Okay? Ça, c'est important. Et dans le monde, et dans les enfants, à comprendre l'examen, expect pour gagner A partout. Et quand je gagne A partout, je suis very happy. Et quand je gagne un résultat moins bon, est-ce que je suis unhappy ou bien je suis less happy? That is the boundary of happiness qui n'est pas capable de mesurer. Et ça qui est important, qui nous a fait du moins comprendre ça qui te gagne aujourd'hui. Be happy with what you have got because there are bigger fish in life that will come in your way. Okay? Zo di ton gain. O di ton gain A, ton gain B. Pas veut dire que les cours sont finis. Pas veut dire que la vie est terminée. There is a much longer race that is waiting for you ahead in life. Si tu es capable de gain A, ton gain B, tu veux dire find out, tu veux analyser qui te pas faire, qui extra effort te pas faire, pour te pas gagner ça à là. Pour que demain, quand tu as un bigger exam, un exam of life qui peut venir, tu peux bien mettre ça extra effort là pour te achieve ça que tu as envie. Then you will be happy. Mais vous pourrez remarquer que everything goes around the mind, everything goes around a positive mindset. See, if you have a positive mindset, then même ou dans les mauvaises situations, dans les mauvaises circonstances, dans les pétrins, you will be happy. Donc, si chaque fois, je trouve des affaires beaucoup pleines, je ne pas pour trop non, rien bon, je peux travailler, je gagne l'argent, l'argent n'a pas assez, je m'amène de manger là, soit on a trop beaucoup de sel, soit on a moins de sel, pas d'accord avec non, rien même. You will not be happy. Okay? Everything goes through the mind. Si dans ou la case ou persiser ou se faire désirer ou bien calculer qui ou péroder un sofa qui de luxe qui donne un bon comfort ou bien sa happiness to be comfortable in the zone, in the situation and in the comfort you have, in the circumstances you have. Ça qui est important. Demain, si dans mon lacaze,
peina o kone dans mon case tout je vois jamais mon mort mangé jamais ça qui m'a envie me gagner l'année dernière moi je pensais est-ce qu'il peut manger dans mon case comme moi encore après tu as une boss après tu sais passer le chemin pendant lockdown mon acheté des fruits après mon garde me dire wow à plus pour en manger dans mon case pendant au moins 3-4 jours. Imaginez le qui niveau nous sortir, le qui niveau nous atterrir. But if we do not find happiness in what we have got, there will be a big problem. Vous comprenez? Et dans acheter monde, maman. Il peut acheter un autre du monde beaucoup plus cher. But they forget what is the purpose of this watch. This, vous get ça monde là, ce purpose c'est de nous lire. De nous lire. Ou acheter une montre en plastique, c'est pas les 50 roupies, ou bien soit c'est une Rolex qui coûte pas combien. The purpose of that object is same. Ou acheter un téléphone, tu fais acheter un téléphone pour communiquer avec un Jimoon, pour communiquer dans le travail. Ou pas nécessaire in an iPhone 12, pas nécessaire in an Apple qui advance latest model phones. You just need to be able to do the job with what you have. So what, il faut pas me critiquer, hein? Et bon, si vous êtes si dans sa manière de faire, mais nous pas besoin de divert from the purpose of life. Quand nous connaissons que sa manière de faire, c'est sa manière de faire matérielle. Demain, quand nous pouvons quitter la terre, nous pouvons quitter toute sa manière de faire ensemble et nous pouvons aller, nous ne pouvons pas mettre non rien avec nous. Donc, what you will be remembered, c'est ça qui est important. Quand nous pouvons quitter sa terre, Jimoun peut dire oui, ça c'est un bon Jimoun. Tous les temps est-il souriant, tous les temps est-il happy, tous les temps share happiness, tous les temps share ce moment de joie, tous les temps est Jimoun. That is very important. Vous connaissez, un Jimoun quand décédé, nous disons, je ne pas ça, comme ça. We don't want to end like this. Hein? We don't want to end like this. Mais la façon de aller, nous pouvons vivre dans le monde, nous pouvons vivre de plus en plus hypocrite et nous prenons contact avec nos proches, nous spend time on Facebook avec nos 5000 camarades, qui jamais nous trouver, hein? Moi, je suis bien content d'avoir un petit léqué, un petit doigt, un petit poke, un petit pour rien, pour rien. Mais seulement, lève un téléphone de famille, de cousin, cousine, frère, sœur, fait là. Et quand vous avez un problème, vous pouvez écrire sur Facebook. Ah, il y a mon autre camarade, personne ne va payer de moi. Mais non, there's a fake world. We are unfortunately being conned into a fake world quand the real world is you and your family and your environment. Donc, nous pouvons quelque part déraper, nous pouvons quelque part distracted from the main goals of life. Et ça, c'est important pour faire nos enfants connaître, nos générations connaître que if you want to be happy, you have to start thinking what is going to make you happy. Et sa manière d'affaire qui vous garde happy là, est-ce que ça c'est une affaire naturelle ça, une affaire artificielle ça, une affaire imaginary ça, ça qui est important. Vous connaissez mes enfants hier, les plantes fleurs. Depuis le confinement, bon, vous êtes ajouté des hauts un petit peu. Pour les tous la terre, les gars délicats. Comment il finit plante quelques fleurs, une sauvée en Albanie. Et quand on dit ça, c'est terrible ça, hein? Because that's your land, your motherland. Hein? Quelques minutes après, on dit, non, qu'il y a une petite fleur là, c'est pas une France, c'est pas une seule, c'est pas une sexe, c'est pas qu'il y a fait. Hein? Effectivement, quand on a checké, fleur là, il prend. Quelque part, il feel happy. There is a result here. If you met sur la main dans des affaires que n'est pas si content, il plante une fleur, mais fleur là peut prendre. Et quand demain, ça, il plante là pour fleurir, lui-même il est content. Il peut dire, mais ça fait là, moi, je vais me planter. Il peut dire, tout du monde, on a planté. Il peut dire, faut te dire. Mais ça qui est important, ça m'a une petite affaire là qui est important pour nous éduquer, nous, vos générations. Et we have to go back to certain basics, mais bien plus, c'est aussi trouver les résultats. Quand on trouve résultat, ça veut dire l'achievement. When they will achieve, they will feel happy about it.
Alors, je m'appelle M. Bungi Rashvin. Je suis en charge de l'école NMDE qui s'appelle Southern Handicap Association. Alors, nous, NMDE, nous cater for many people with disabilities and special needs people. Et nous, ONG, fondée en 1985. Et throughout the years, nous avons presque nous grandi et maintenant nous avons 125 bénéficiaires qui nous étaient dans l'école. Et nous avons plus qu'une quarantaine de staff qui en charge full-time pour guider ces enfants-là. Et nous avons même des physiothérapeutes, psychologues, docteurs, occupational thérapeutes qui en charge. Et nous avons même des professeurs qualifiés aussi pour travailler avec ces enfants-là. Et l'organisation Southern Handicap Association donne différents services. Nous avons commencé en tant qu'un daycare center. Et throughout the years, nous évoluons en tant que nous sortons des care centers. Nous venons d'une école spécialisée. L'école spécialisée, nous commençons de même training de côté employability. Nous ouvrons un centre de réhabilitation à l'école, même le therapy room. Nous commençons de même training de côté ICT pour même parents et pour même élèves. Nous faisons même ça conjugué, nous faisons employability même enfants. Nous même élèves travaillent dans nos ateliers, plus de gays de la paix, plus de gays de pension. Plus, nous guettons le cursus scolaire dans l'école. Alors, comment vous trouvez qu'il y a une range of activities que l'école Southern Handicap Association lui donne et nous trouvons dans le sud, spécifiquement à Suriname, le Maine à Suriname, et nous trouvons qu'il y a un enfant augmenté, nous disait, décentralise nos services, que maintenant nous avons trois branches, nous avons un à Suriname qui nous mène, nous avons un à Pleine Magnon qui nous branche. Et dans l'école gouvernement, dans le ressource centre ministère, il y a une classe intégrée là-bas, il y a une dizaine d'enfants qui gagnent le service qui nous provide dans l'école. Alors, aujourd'hui, nous posons un appel au happiness. Je dis, finalement, nous avons vu l'école fait quoi. Et l'école est une organisation totalement gratuite. Que tout le service qui nous fait, nous gagnons un sponsor qui aide nous. Et plus beaucoup de sponsors nous gagnent, nous sommes capables de faire plus maintenant des services, que aussi maintenant une variété de services qu'ils nous ont offert et nous avons envie de faire aussi à mes enfants. Aujourd'hui, nous causons leur happiness. Comme vous le connaissez, nous pouvons passer un moment difficile, que le monde en entier, beaucoup de pays, nous sommes en confinement. Et Maurice Panipornier, nous aussi, l'année dernière, nous avons eu notre première vague. Et cette année, si nous regagnons, c'est-à-dire une deuxième vague qui commence un mois de cela. Que nous trouvons l'école inarrêtée en seul coup. Nous tenons à faire un examen, nous tenons à faire différentes activités qui nous planent pour le mois de mars. Que ça fait un mois aujourd'hui que l'école ferme. Ou quand l'école ferme, nous tenons différents things qu'il y a. Par exemple, nous avons un aspect des enfants, nous avons une centaine d'enfants qui viennent s'écouter et retournent à la maison. Nous avons une quarantaine de staff qui viennent s'écouter et rester à la maison. Nous avons une équipe paramédique qui se fait faire une visite à domicile. Pas capable de faire une visite à domicile. Tu peux rester à la maison, mais il y a des parents qui ont besoin que tu puisses faire un service à l'école, pas capable de venir à l'école, que d'un seul coup, tu bouscules nous, mais basé sur nos leçons l'année dernière qui nous ont gagné, cette année-ci, nous sommes plus préparés que l'année dernière, nous sommes paralysés pour un bon moment de temps, mais cette année-ci, nous préparons-nous plus. Alors, nous causons happiness, vous avez connu qui donne l'étendue, il n'est pas facile pour nous causer happiness. Que nous connaissons la personne qui perd du travail, une personne qui n'a pas de travail, nous avons une famille qui a besoin, une appelement de nourriture, une appelement de basic needs, mais nous devons trouver une positive things. Par exemple, nous restons à la maison, okay, nous sommes capables de développer ça lien de famille là beaucoup, et même parents. Comment nous devons faire ça, nous, de nouveau à l'école? Premièrement, nous avons un groupe WhatsApp qui nous crée, nous avons différents groupes WhatsApp qui nous créent, nous avons un groupe WhatsApp qui nous crée avec mes enfants. Que nous avons presque 90 bénéficiaires au 100 qui présents, malheureusement, partout qui est dans WhatsApp, partout qui est dans connexion capable de connecter. Nous avons un nouveau WhatsApp pour mes professeurs, que the head of school en tant que moi-même. Nous avons une partie de nos board members. Nous avons tous nos staff présents. Nous avons différents groupes WhatsApp avec mes thérapeutes qui font différents groupes WhatsApp. C'est pour nous capables d'une certaine attention individuelle. Nous avons le groupe WhatsApp pour mes parents. Que nous causons avec mes parents, parce que tous les jours, nous cherchons même des détails. Nous pas y cherchons même des détails de côté coronavirus, nombre de cas. Nous partageons même des affaires que nous devons faire. Par exemple, si nos parents viennent manger, nous envie de chercher sa recette avec nous.
most welcome. C'est donc qu'ils en font pour l'indépendance, qui nous sont confinés des semaines d'activités. Je dis chez le nous pour ça. Et ça, c'est du côté même parents aussi. Et le groupe en parents, enfants. Maintenant, maintenant, le groupe, le côté même staff, côté l'on nous a connu qui, avant confinement dans l'école, nous fait faire un système d'appraisal, un système de reward, un team building activity, que même professeur est une plateforme. Je suis venu à l'école, je suis capable d'expliquer, je suis capable, nous fait encourager, que nous fait motiver. Et je connais qu'ils ont une plateforme là pour développer même. Mais comme confinement, nous tuons nous la maison, chacun individuel pour lui. En tant qu'un head of school, nous avons assuré que nous, mes employés, à home, they are safe, they feel secure, not only about their job, but only la maison que Dieu. Et nous prenons les comme un challenge et nous prenons les affaires qui nous visent faire pour nous assurer que quand on travaille avec nos employés, pas de sickness, mental illness, que nous sommes capables, mais nous l'école, puis donner un maximum de services. Et comment nous sommes capables de s'amener ce service-là, que chacun de différentes places, et non dans le sud, et non dans Grand-Port, et non dans Savane, différents endroits, ben, comment nous sommes capables de s'amener ce service-là? Ce n'est pas facile, mais c'est avec un team de peine, avec un commitment qui nous est là, l'école South Indian Gap Association, nous sommes capables de faire ça. Par exemple, comme on fait des jeux, qui nous crée un groupe WhatsApp avec tout le staff, mais dans différents groupes WhatsApp, à travers ce même groupe WhatsApp-là, nous capables de valoriser nous même staff. Par exemple, nous trouver qu'il y a un staff, malgré nous un groupe sans enfants, il n'y a plus d'enfants, nous avons un staff qui crée ce groupe WhatsApp avec les mêmes enfants personnels. Ça veut dire nous avons 4-5 staff. Je dis, fini, comment est-ce que je groupe WhatsApp avec ce groupe enfants que je dis, dans ce classe, et je préfère ce virtual classes. Donc, nous, à niveau l'école, nous ne pouvons pas mettre ça obligatoire. Qu'un professeur fait ça, mais nous trouver qu'il mène un professeur là-même, à de l'avant, comme initiative pour eux-mêmes, vous êtes capables de guider ces enfants. Et nous, en tant qu'head head of school, nous ne sommes pas capables, comme si les professeurs-là, les tout seuls. Nous, vous êtes dans sa touche, sa support que nous pouvons donner dans l'école-là. Comment nous donner ça ce support-là? Nous praise même professeur là. Nous trouvons professeur qui fait un travail formidable. Nous allons nous voir ça pour donner à tout professeur. Nous allons nous voir ça pour donner à tous mes parents. Nous faisons appraisal. Nous praise même professeur là pour ce travail fantastique qu'il nous veut faire, qu'il veut faire. Et aussi, nous là, nous donnons un push, par exemple, je viens de les rapports. Nous donnons ça s'il est là, si il y a un petit problème de connexion. Nous guettons comment nous sommes capables de résoudre ce problème-là pour être Dieu. C'est un petit truc qui nous capable de faire de nos côtés pour être professeur la vie happy. Et aussi, nous donnons même professeur un code parce que nos enfants et nos WhatsApp, comment faire? On est capable des enfants là, tout seul comme ça, professeur là pour téléphoner ses enfants. Et en tant que l'école, nous donnons même professeur la même code chaque semaine pour être capable de prendre nouvelles mêmes enfants, prendre nouvelles mêmes enfants, qui mène problème mêmes enfants peuvent faire face. Et revenons vers nous et nous nous guetter comment nous capables et de s'amener les enfants qui ont besoin. Hein. Ben, c'est même travail, même petit truc qui nous fait apport et même petit truc qui nous fait apport pour être s'amener professionnel là, pour être nous-mêmes staff dans l'école. Et aussi, nous faisons un petit team building online, nous faisons un petit jeu online avec mes professeurs que nous en l'air. Moi, c'est me lance l'initiative, m'appelle tous mes professeurs pour être online, pour venir faire un jeu. Par exemple, dans différents jeux, elle est nous capable de connecter le Ludo. Le Ludo, même professeur PSUL Ludo, différent pour professeur PSUL Ludo, nous faisons un groupe, certains se battent. C'est qui gagne, nous mettons une récompense. Par exemple, nous, à The End, nous trouvons qu'il y a The End, même si nous gagnons Ludo, nous prenons moins de points en considération, nous donnons moins de points et nous disons qu'en confinement finit, ça, professeur-là, nous disons qu'en confinement, ça, professeur-là, pour gagner. Pour gagner un reward, et nous faire ça même truc là, nous faire ça même truc là pour comme si motive nous même professeurs pour qui nous fit aussi en même temps et maintenant ils ont profité et aussi nous dire même professeurs de pas oublier aujourd'hui on fait 15 minutes d'exercice, tu as pas tiré une photo, envoie nous qui faire en même temps ça encourage même professeurs et aussi même professeurs assis si je te fit, je même je peux faire une initiative comme ça.
the German parent moi je savais me trouver qui fait la même activité. Le jeu qui nous fait récemment loup-garou, c'est un jeu qui nous fait ça en ligne, tout même professeur connecté, tout même pas professeur, tout même staff connecté en ligne, nous sommes loup-garou pendant presque une heure temps, deux heures temps. C'est même team building online qui nous fait ou encourage même staff à l'école et aussi comment je connais qui un système qui s'appelle Employee Assistance Program qui à l'école nous fait donner ça. Le Employee Assistance Program, c'est quoi? Nous avons un thérapeute, un professionnel qui travaille dans l'école. Nous avons un psychologue, nous avons un docteur, nous avons un physio, mais nous avons un thérapeute. Mais nous avons un bénéficiaire. Nous donnons nous un professeur, nous avons un staff dans l'école. Tout le monde sa présence, si je viens, ça m'a un service là. Il faut me partir de nos Employee Assistance Program. Par exemple, si une personne, sa famille a un problème, et par exemple, il vient un docteur consulter lui, nous disons au docteur, mais voilà, consultez la personne et get un coup de kéna, free of cost, of course. Et si une personne a une assistance physio, mais il y a un physio qui check la personne, la famille, si personne n'a vu l'école, il vient. Sinon, un thérapeute là, à la home visit. Vous donnez ça même service là, mais quand nous dans le confinement, nous ne pouvons pas donner ça même service là physiquement, mais nous pouvons donner service là en domaine social media. Par exemple, si un professeur a un problème de faire face, nous causons avec nos psychologues, personally, privately, et ça fait rentrer en contact, nous donnons un conseil à travers le téléphone, nous faisons une vidéo, si on a un outil, une personne thérapeute. J'ai envie de donner un conseil, mais pas plus connaître énormément de monde, pas plus qu'un médecin pratique. Il fait une vidéo, il envoie le groupe WhatsApp, le même groupe de parents. C'est même différentes initiatives qui nous font pour comme si ce confinement-là passe bien, parce que nous believe que la happiness de nous-mêmes et staff est of utmost importance, parce que si on n'est pas happy, je ne suis pas plus productif. Et si je ne suis pas productif, il y a une chaîne qui va enclencher les mêmes élèves, pas pour apprendre bien. Mais nous devons assurer que je suis productif, je suis capable de faire le même travail bien. Aussi, ça, c'est du côté happiness pour mes employés dans l'école. Et nous avons la happiness du côté de mes staff, mes parents. Comme nous disons, nous avons un groupe WhatsApp aussi. Nous avons aussi qui nous peut provide différents services. Mais différents services qui nous peut provide à l'école, c'est you know, le MRA qui peut donner de l'argent à mes parents qui partent trop qu'on remplit même faux. Nous avons l'équipe de professeurs et moi-même qui mes staff et moi-même qui nous là. Nous peut remplir même faux là pour mes parents là pour faciliter cette tâche parce que je suis capable de demander même les. Mais nous long distance comment nous peut capable et je et aussi, nous devons prendre note que si mes parents ont besoin, moi-même, avec nos chauffeurs, nous devons faire une visite, nous devons quitter même produit à la maison, nous devons faire, et so far, nous avons presque un 25, une trentaine de familles dans une semaine, nous finissons de même manger, même basic needs, valeur 1500 ou plus, une trentaine de familles, que si nous avons plus de sponsorship, nous sommes capables de target plusieurs familles dans le région Grand Port et Savane. Et semaine prochaine, nous recommençons l'initiative. Et nous avons un système d'aquaponique à l'école. Donc, aquaponique, c'est quoi? Nous emmenons des poissons et nous emmenons des légumes. Waste product de mes poissons. Ils passent dans même sur un filtre et ça a dans les légumes. C'est aquaponique, c'est un système qui est complètement bio. Mais nous rentrons en confinement durant le mois de mars. Pardon. Donc, nous avons presque une centaine, 200 plants de laitue qui nous supposaient collecter. Mi-manche, que nous supposons vendre, ben, qui nous fait? Qui nous fait? Nous, même staff, nous arrivons à une école, qui a une partie limitée, qui est capable présent à travers le WAP, y compris moi-même. Nous prenons tout ça, même l'étude qui nous finit collecter là, nous vendons une partie, que nous faisons en même coup, qui nous faisons bien. Nous vendons une partie, et aussi, qui nous fait? Nous prenons l'étude là, nous partageons même bénéficiaires, nous partageons même parents, et aussi mes professeurs, mes staff qui dans l'endroit qui prêt que nous qu'à voyager. En même temps, ça encourage mes staff là. Je tenais qui voilà l'école passe des petits mes enfants en tant qu'un père dur. Nous devons prendre ce petit en considération. Et si nous mes staff ont besoin, je feel free to voice out. Je viens, je reach out avec moi. Que nous aide, que nous aide. Et aussi nous
nous partions courage, mais staff pour vin travail, nous baissait trouvons bien à travers le WhatsApp, à travers même call qui nous fait à travers les social media, le Facebook qui aide nous énormément, quand nous poster différents photos, différents vidéos, nous encourage nous mène staff et nous mène enfants, vous êtes capables vin en lit, travail en lit parce que nous pas connaît quand ce problème là pour résoudre. Mais nous vous préparons aussi, nous ne sommes pas capables de stagner. Et comment nous get happiness, men staff, quand me dit dans le travail, quand nous sommes dans le travail, nous sommes valorisés, nous sommes dans une forme qui nous fait remplir, men staff, et quand même, si vous êtes l'autre camarade, même si papier l'autre camarade, qui je pense, qui peuvent changer anonymously, et ne craignons personne, c'est-à-dire à qui il est destiné. Nous ouvrir ça et ça aide pour encourager les autres travailleurs. Mais là, comment on peut faire encouragement pour les travailleurs? Par exemple, aussi, comment travailler, faire une activité qui bientôt nous poster ça sur les social media, sur Facebook, qui peut venir bientôt nous valoriser la personne, nous mettre ce photo, premièrement, ce nom, ce âge, qui travaille faire, et nous comptons qui même travail peut faire. Dis-moi, la social festive, nous augmenter. Pas juste du côté de sa famille aussi qui vous guette ça. Ce même collègue dans les autres écoles aussi qui vous guette ça. Même collègue dans différents endroits, différentes écoles et différents pays aussi qui vous trouve ça. Que Dimouna, il valorise, il connaît qui, voilà, il fait un travail, il sentiment, voit bien valoriser l'école, il prend compte de moi. Ben, c'est même différents trucs qui nous font, qui nous assurent qu'il nous mène staff happy. Et happiness de staff, le link directly, happiness de nous-mêmes bénéficiaires. Happiness de bénéficiaires et aussi nous encourage si nous pouvons un staff pas fait involve autant. Nous guettons avec qui vient arriver, ce qui est anxieuse, pas correct, nous reach out à un mois ou un les autres staff. Si nous trouvons qu'il staff là pas fait trop mingle dans nos propres ça, mais peut-être une anxieuse pas fait mort bien. Nous reach out, nous pas attendre comme si un problème aggravé, nous reach out, yes, is everything good by your side? Do you need some help? Are you facing some issues? Please let me know. Et ça, il amène un smile. Nos staff-là, parce qu'ils connaissent, voilà, ouais, mes camarades aussi, ils pensent moi. Et voilà, ils pensent moi. Et aussi, nous faisons un Zoom session, que nous encourageons même ça, mais si je peux dîner, si tous les jours nous dînons en famille, ben nous aussi, en tant qu'école, ça, vous êtes capable de association. Nous, une famille, tout le staff, nous pouvons prendre lunch avant, ensemble. Ben, qui fait un jour, nous va prendre lunch ou dîner ensemble? Ben, nous faisons une session de dîner, lunch, que nous mangeons ensemble, nous visiteuses, tout le même travail qui peut passer bien. Nous faisons ça, même activité là, que tout le staff sente d'être valorisé. Et aussi, je sente d'être happy pendant ce moment difficile là. Et aussi, comment encore, tout le même activité nous fait, nous, voilà, nous finissons, nous donnons corps, nous causons avec eux, nous valorisons, nous travaillons beaucoup. Et aussi, nous connaissons qu'il y a un staff, qui n'est pas tout staff qui est full-time. Il y a un thérapeute, par exemple, un physio, un psychologue, un occupation thérapeute qui est part-time. Et en tant qu'un part-timer, quand je n'ai pas de travail, je n'ai pas venu dans l'école, je n'ai pas rémunéré. Mais nous ne sommes pas capables, les yeux, d'un période dur sans rémunération, sans la paix. Qui nous fait, nous encourage eux, ou involve virtually, faire même vidéo montage, si il y a même limited resources qu'ils étaient là, dire même parents, qu'ils sont capables de faire même parents, par exemple, j'étais dans la farine à casa, je peux plus manger, involve même les enfants. Et nous encourage parce que nous avons un thérapeute qui est plus professionnel que nous. Ben, si il y a des ressources, si il y a ça, c'est qu'ils étaient là, prendre, ben, mettez-le en pratique, le virtually, mettez-le en pratique virtually, avoir une vidéo là, avoir une parent vidéo là, pour m'en assez connaître qui je suis capable de faire. Par exemple, nous avons une pince-laise, que à travers une pince-laise, même parent qui a fait une activité, même enfants. Et vu qu'il y a une thérapeute là, c'est involve, il y a là, nous connaissons, je dis involve, nous capables de rémunérer eux, parce que c'est un contractual basis, c'est même différents sponsors qui payent eux. Et nous, si nous faisons une invisibilité, nous faisons pas juste rester net, nous faisons faire un travail. Ou voilà, même personne connaît qui l'école sans une étape association, il est au terrain, il peut aider ce même enfant, et nous believe qu'il s'est l'étendue, qui plus strengthen the bond. L'étendue, il montre comment nous peut cope, comment sa relation qui nous est non, nous mène staff et l'école même,
et sa proximité qui management énorme et human staff. Et pendant les temps durs, nous, ça, ils trouvaient plus. On les trouvait plus les visibles. Et nous trouvait qu'il y a une chaîne qui marchait sans le management, sans le head of school, même professeur qui a senti le PADU, et sans même professeur, même parents senti le PADU. Si mes parents sont du PADU, c'est mes enfants qui sont du PADU. Alors, nous, il y a une chaîne, et nous, en tant que head of school, le management, nous devons assurer tous les jours qu'il nous peut créer même l'environnement, nous peut créer même l'environnement virtually qui est favorable, qui est constructif, que même le professeur peut être développé aussi. Et tout professeur qui conserve le app Zoom, le Google Meet, parce que il y a un affaire qui est un en ampleur. Mais nous, qui nous faisons, nous aide même professeur là, comment installer, comment faire ça à travers même vidéo call qui nous fait le WhatsApp, le Messenger, nous montrer bout par bout comment servir ça, installer là, Zopgame, l'écran, l'eau, ça nous fait même des mots que Dieu tise à de l'avant. Et c'est voilà, quand nous pouvons faire ça, même truc là, au même professeur, c'est le carré de même professeur là, si, répéter ça avec mes enfants. Et quand nous faisons ça avec même professeur, je sens, je guess, oui, nous puis apprendre aussi. Nous avons un continuous development qui peut arriver pour nous aussi. Nous ne sommes pas dans l'école, oui, car dans l'école, nous ne pas apprendre ce système-là, mais en confinement, nous apprenons qu'il y a de plus. Il y a de plus pour professeurs là. C'est ça, différents trucs qui nous font dans l'école pour nous assurer que, voilà, tout nos établissements y flourish et nous allons de l'avant. Nous demandons beaucoup moins de sponsorship en tant qu'un ONG. Nous avons beaucoup moins de CSR pour aider nous, pour être capable de monter plus de même projet, plus de même facilité pour ces enfants-là. Et me faire un appel aussi à toutes les personnes qui peuvent être moi. Si vous êtes capable de connecter, suivez-nous sur la page de Facebook, le nom Southern Handicap Association qui est affiché. Et nos websites aussi, où vous êtes capable de même prendre contact avec nous, venir faire une visite. Et nous, même page est bien actif. Je vous trouvais presque tous les jours nos pages d'update. Ben, je vous trouvais qui même travail nous peut faire. Et nous avons beaucoup de l'aide pour nous capables d'aller de l'avant plus. Et nous, nous avons même personne porteur handicap. Nous avons nos visions qui nous capables de monter un daycare center et monter un home pour mes enfants, pour mes personnes. Parce que nous avons connu qu'une aide policière à l'île Maurice qui, quand les enfants arrivent 20 ans, n'est pas supposé dans ce cursus l'école. Les bien rester à la maison et ça amène des enfants-là qui bouffent. Et ces enfants-là, les sévères, les graves, ben, nous amène différents projets qui nous ont envie de mettre de l'avant. Ben, c'est grâce à nous avons beaucoup d'aide, beaucoup de sponsorship pour nous capables de mettre ça de l'avant. Ben, me fais un appel, si tu m'as une personne qui est nous, je dis, j'ai une idée qui m'a un travail à faire. Comment nous mettre pendant le confinement, comment nous peut aider une personne, une staff, toute une personne dans l'endroit. Ben, êtes capable de continuer de nous plus pour faire cette activité-là, pour faire ce travail-là, moi, plus bien. Et voilà, c'est ça un peu qui nous fait. Hein. Si, ouais. Si j'ai une petite question, vous êtes capable de poser moi.
Movidamine, l'adrénaline, movidamine, La musique est un battement qui est authentique. Ici c'est cool et n'a pas fait acoustique. Un joli vibe, moi voyez il est acoustique. Zoni manière qui est douce ou ça bien brille. Dans la musique, mon sentiment siaillé. Mon l'énergie avec lui augmentée. C'est la manière qui moi n'a pour évader. Déconnecter et faire moi voyager. Vitamine M. C'est vitamine M. C'est vitamine M.
Bonjour, moi c'est Levna. Moi ici pour faire un make-up tutorial avec Zut. Vu qu'il ne peut célébrer la joie en ce moment pendant une semaine avec campagne et rapide, moi invite Zut, suive-moi pour ce make-up tutorial là. Pendant le confinement, nous capables de sentir nous belles et être belles. Et ça, capable d'apporter la joie dans nous. À nous commencer.
Et voilà, si simple que ça pour être belle. Et que moi, t'as maintenant avec une photo ou bien une vidéo qui sont capables d'envoyer nous par Facebook ou bien Instagram. Et pas oublier d'être un Angel Mauritius. Et que aussi, m'espérer qu'ils se sentent belles après qu'ils aient fini leur make-up. À la prochaine! Bye!
Aimes enfants joyeux, c'est un enfant qui peut santé danser, se dépiler. Allô, moi m'appelle Moksha, moi un upcycling entrepreneur et qu'un autiste et maison. Confinement peut malheureusement limite mouvement pour ban plus un et ban plus petit, et que j'ai beaucoup d'énergie. Campagne et rapide peut permettre moi servir mon talent percussionniste pour faire un atelier en ligne avec ban enfants depuis un ONG. C'est un atelier musical qui m'appelle Ravan Leko, que de bons enfants servissent de propre Leko sans aucun instrument pour faire bon son. En d'autres mots, je peux jouer aux autres pour stimuler les autres côtés rythmiques. Son là un peu comme ça. Et oui! Confinement fin pousse moi pour être encore plus créatif et porter un maximum la joie et bons enfants. Merci campagne et rapide pour cette opportunité là. And welcome to the red zone. This feels a bit nerve-wracking. So participating in an angel happy day, we should make the effort of being simply happy every day till the day we die. But this is participating in a lot of things, I guess. All around the world there are communities and organizations that celebrate life for what it is, really, sincerely, authentically. I'm not sure I'm succeeding, but I'm trying. What's the nerve-wracking part here is, who am I to make a message? Even if I'm asked, you know, it's just there's so many great people out there that can explain things or say things in ways that are so much more simple than whatever I'm saying. If you even... People tend to laugh at me more than with me. But for me, I'm just very happy to be able to respond to an angel and say thank you for asking me to do this and to giving me the courage to do this, because This is truly a first for me. So without further ado, this is a song that you will all recognize, and I hope that, oh no, I wish that you play your own version and share it with your family, friends, love, any community you love, the world, the entire world. And coming from somebody who used to take life super seriously, the art form is finding joy and not taking life too seriously. Now I can hear all the criticisms, all the wave of criticisms, but let's just focus on the soft, the simple, the gentle, the joyous. Because I'm scared. Right now I'm scared. But I'm going to do this anyway. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, life, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself,
colorful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. When I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Here's to the angels. So long, au revoir from the red zone. Happy confinement and hope to see you soon. It took a tiny virus to make us realize the happy little things in life, to step back, contemplate its beauty, and just smile. The familiar scent of our house in the blankets of our unmade bed, the taste of our homemade dishes and crackling crust of the bread, the barking of our dog and the chirping of the birds all day, the touch of the people you love, the ones who always stay, the simple joys of being together, alive, and just smile. We have been crying out for so many things from life that we forgot to stop sometimes, to cherish what we receive, to thank the universe for every new morning, every chance to live. This is probably why we need to stop, breathe, and just smile. Moi, manière où bouge la hanche. Et qu'ils ont son silence, son suspense. Manière où amène ou cadence. Et du bouton gauche, du bouton droit. Oui, mon vécu. Pour pas danser, on connaît tout faire. Et tout est marie plaisir. Les en sont silence, en suspens. On l'amène où la hanche. Du bout en gauche, du bout en droit. Vraiment exceptionnel. Pour pas danser, on connaît qui vous fait. Et tout est marre et plaisir. Don't stop.
fatigue nous la tête. Oh mamacita, jolie señorita, dans mon réunion, tu les dénues que les serrées. Tu es tué, fatigue nous la tête. Oh mamacita, jolie señorita, dans mon réunion, tu les dénues que les serrées.
Bon après-midi tout le monde. Bon après-midi Saint-Jana. Comment ça va Saint-Jana? Bon après-midi Navini. Ça va très bien et vous? Ça va bien, merci. Allô, nous recevons la joie dans toi? Oui Navini, mais les cannes remplies avec la joie. Quand on parle un petit à sa fin, mais c'est moi d'une passée une semaine inoubliable. Bien dit Saint-Jana, nous passons une semaine inoubliable. Et nous tenons à remercier nos leaders spirituels, nos collaborateurs, nos ambassadeurs, nos ONG, nos participants, nos l'école qui nous répondent présents pour sa campagne. Et sans oublier nos artistes, Navini. Définitivement, surtout dans ce moment de confinement, là, avec les moyens à bord, nous répondent présents et qui aident nous dans sa campagne, là, je vois là, pour apporter un sourire aux figures prochaines. Oui, Navini, nous saluons tout le monde qui a participé et nous invitons tous à rejoindre nous l'année prochaine pour célébrer la joie. Merci. Merci. Nous souhaitons tout et rapide. Bye. Bye. You know, every day in life, we got to hold on, because love is all that we need. Mais oui, nous poussons montagne. Mais oui, nous poussons montagne. Escalade, quando se afaste.